Alors, Dominique, on a procédé encore une fois à notre évaluation. On a cherché plein de choses. On a trouvé des problèmes articulaires, des problèmes de myofasciaux, hein, de muscles et de fascia. Et c'est le but de cette capsule, essayer de se donner quelques outils de traitement supplémentaires au niveau de l'approche myofasciale. Dominique, c'est impossible de faire à l'intérieur de cette capsule tous les muscles, tous les fascias. C'est impossible. Alors, si on peut au moins vous parler de quelques muscles préférés, ça sera toujours de voir à l'évaluation quel muscle vous avez trouvé, quel fascia vous avez trouvé de tendu et qu'est-ce que vous voulez travailler. Exact, et j'aime bien que tu veux parler de myofasciale parce qu'il y a 35 muscles, environ 35 muscles dans la hanche, une articulation qui a tellement une implication musculaire, beaucoup de tension musculaire. Donc, c'est vraiment important qu'on en parle. D'ailleurs, c'est des techniques qu'on peut faire avant de travailler en thérapie manuelle au niveau myofascial, contacter, relâcher, etc., avant l'articulaire. Fait qu'on vous démontre ça dans quelques instants. Tu as tellement raison d'en parler. Il faut toujours, selon moi, relâcher les tensions myofasciales, la composante myofasciale, avant d'entrer dans l'articulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on a comme outil au niveau myofascial? Bien, le fameux PNF, contract-relax, ça fait longtemps que ça existe. C'est toujours aussi actuel au niveau de son efficacité. Une approche active qui permet de faire du relâchement musculaire et myofascial. Les fameuses techniques très à la mode là, depuis une dizaine d'années, Dominique, de relâchement myofascial qu'on a emprunté un peu à l'ostéopathie, qu'on a adapté à nos techniques de Exact. physio. Et d'autres techniques un peu plus intenses, très appréciées des sportifs, le ART, le Active Release Therapy. Enfin, on a choisi ces trois-là pour les démonstrations d'aujourd'hui, avec quelques groupes musculaires Principaux, préférés, exact. principaux, là, de ceux qu'on aime beaucoup travailler. Enfin, mon premier, Dominique, le piriformis du bassin. Il a le nez partout, lui. Les problèmes de bassin, les problèmes de dos, de hanche. Il est tellement stratégique au niveau de sa position sacrée vers la tête, le grand trochanter. Alors, quelle implication du piriformis tout le temps? Moi, j'aime beaucoup le travailler, entre autres, en PNF. Donc, je m'installe comme ça, dans cette position de flexion ABD, rotation externe. Tu me dis quand ça tire patiente, un 3 sur 10 encore une fois? Tu le sens bien, parfait. Toujours dans le respect de la douleur, ça ne donne rien d'aller trop fort. Exact. Et là, dans nos techniques de PNF, Dominique, combien de pourcentage tu ferais pousser, toi? Entre 20 et 30 %, donc c'est vraiment sous-maximal. C'est pas une contraction. C'est important de le dire aux patients parce que des fois, ils ont tendance à exploser. Donc, avant de dire pousse contre moi, mais de dire doucement, doucement, une petite contraction, 25 % de ta force, par exemple, pousse contre moi, délicatement pour pas qu'il se fasse mal. Ce n'est pas une technique de renforcement, c'est une Exact. technique de stretching, de Exact. relâchement. Alors, on s'installe dans le 3 sur 10 et doucement, je te demande, Marlène, de pousser sur moi ton pied. Moi, je fais des 6 à 8 secondes, 4 à 6 répétitions par groupe musculaire. On relâche tranquillement et à chaque fois, on se rend compte qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin, mais sinon, on respecte notre 3 sur 10. C'est un gain assez rapide. Ça tire? Pousse tranquillement. J'aime ça que tu utilises un 6 à 8 secondes parce que des fois, si on se dit un 5 secondes, on peut avoir tendance à aller vite, puis le relâchement n'est pas tout à fait là, au contraire, on compte vite. Tandis qu'un 6 à 8 secondes, un peu plus long de façon contrôlée, plus efficace, j'ai l'impression, là. Tout à fait, tout à fait. Alors, un autre groupe préféré, Dominique, ilio-psoas, l'iliacus et le psoas. Alors donc, Dominique, l'iliacus et le psoas, hein, en lien avec le droit antérieur, encore une fois, des tensions myofasciales qu'on a évaluées à notre test de Thomas. Comment tu le relâcherais, toi? Donc, la patiente en bout de table, de façon confortable, c'est important qu'elle soit vraiment au bout parce que des fois, les patients sont un petit peu trop hauts. On ne peut pas aller vraiment en extension de la hanche. La tête de lit vient bloquer le mouvement. Donc, comme ceci, tu es vraiment au bout de la table. On peut ramener ici la jambe. C'est sûr, s'il y a un conflit d'abutement ici, il faut faire attention. La personne peut tenir sa jambe comme ceci, confortable comme ça, ou le tenir en dessous de la jambe. Quelqu'un un peu plus grand, on peut mettre une sangle, une petite serviette, et on laisse tomber la jambe comme ceci. Ça, comment ça va? D'ailleurs, exactement, l'évaluation, c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi, j'aime bien prendre des photos aussi, des fois, montrer la rétraction, ils ne le voient pas. Donc, comme ça, après les traitements, on peut comparer aussi l'effet qu'on a eu. Donc, de cette façon-là, on peut stabiliser aussi en mettant le pied du patient comme ceci, pour plus de confort aussi. Et sinon, on peut aller, donc, si je veux cibler un peu plus, les fléchisseurs de la hanche, le psoas. Donc, je peux aller en extension de la hanche ici. Et puis, tout doucement, je cherche un étirement, mise en tension devant la hanche. Ça va comme ça. Et tout doucement, comme on disait tantôt, une petite contraction. Donc, si tu pousses vers le haut, un 6 à 8 secondes tranquillement, sous maximal toujours. Ensuite, tu peux relâcher. On peut aller un petit peu plus loin déjà.
une autre fois comme ceci. Et on répète 3-4 répétitions. Oui, tout à fait. Tu sais, moi, Dominique, j'aime bien aussi là, que tout de suite, on inclut la flexion du genou. Tu peux le faire sans ou avec. Exact. Comme ça, ton droit antérieur est encore plus en tension pour encore plus aller tirer au niveau des fascias de la hanche. Tu m'enlèves les mots de la bouche, tu as tellement raison, tout à fait. On peut y aller directement comme ça aussi. Puis si on veut mettre plus d'accent sur le droit fémoral, on met plus de flexion du genou de cette façon-là. Et pour venir le relâcher, donc on peut faire plus une extension de la hanche. En effet, on peut aussi faire de forcer vers la flexion de la hanche. Toujours monitorer si ça va, hein? Oui. Tu nous le dis si on va trop loin. Toujours exact. Le 3 sur 10, Dominique. Toujours, tellement important. Donc, tout doucement, pousse contre ma jambe avec ton pied en extension du genou, une petite contraction. Donc là, je vais plus chercher en extension du genou. On relâche, donc je peux mettre un peu plus d'extension de la hanche, un peu plus de flexion du genou. Est-ce que c'est trop ça ou ça va aussi? Okay. Allons-y une autre fois. Toujours en contract relax. Exactement. Fait qu'iliacus, psoas dans ses techniques de PNF. Très impliqué. Merci. Alors, Dominique, hein, on a vu toutes sortes, toutes ces techniques-là de relâchement myofascial un peu plus dans le PNF. On ne les a pas tout fait, là, toutes faites, les techniques. Les gens doivent traiter ce qu'ils ont trouvé. Brièvement, le Active Release Therapy, le ART, qu'on entend beaucoup parler, les athlètes américains, entre autres, aiment beaucoup ces techniques de relâchement-là. Un peu invasif, un peu douloureux. Ça, on parle beaucoup, toi et moi, du respect du 3 sur 10. Dans l'ART, il faut monter ça à 5, 6 sur 10 d'inconfort souvent. Alors, la philosophie, en fait, c'est de trouver le point musculaire. On voit là déjà la patiente qui réagit. Alors, piriformis, par exemple, c'est sensible ça, Marilyn? Alors, je viens m'installer le coude dans cette douleur-là. Tu sens ça bien? Oui. En effet. Et pendant qu'on applique notre point de pression dans la douleur, 5, 6 sur 10, le patient fait un mouvement actif. Vas-y, d'ABD dans le cas du piriformis. Fait que vas-y, des allers-retours. Vas-y, Marilyn, montre-moi ça. Tu veux peut-être montrer cet angle-là, pardon, si tu viens ici, dis juste montrer la prise ici. Exact, on le voit très bien comme ça. Ça fait mal, là. Puis c'est ça la technique. Bon, un bon 5-6 sur 10 facilement. Moi, je fais à peu près, Dominique, une dizaine de répétitions dans ce muscle-là. Une petite pause, 3 séries. Fait qu'un 3 séries de 10. Mettons qu'on a le fascia lata, Dominique, qu'on veut aller relâcher dans cette même position-là. Ouais. Alors, je le trouve dans son point d'insertion. C'est quand même un gros muscle aussi, assez large, ouais. Latéral, antérieur. Sensible, ça aussi, ma belle. Parfait. Et dans ce mouvement-là, dans cette position-là, on pourra faire une pure ABD de la hanche au complet. Vas-y, lève-moi ça plus haut. Allez, lève. On descend. Puis on fait une belle excursion d'ABD en plein dans le fascia lata. Super pour le relâcher plus proximalement avec nos fameux problèmes de bandelette iliotibiale plus distale. Exact. Et chez Accès Physio, on fait beaucoup de couvertures d'événements sportifs, au demi-Ironman par exemple, les courses à obstacles, Spartan Race, puis on remarque qu'il y a plusieurs patients qui viennent nous voir avec des cas des syndromes de bandelette iliotibiale qui sont irrités. Puis c'est des techniques souvent qui nous sont demandées avec certains patients. J'ai besoin que tu fasses du ART, ou nous aussi, on peut le faire aussi, donc très efficace. Tout à fait. Fait un des outils dans le coffre d'outils myofacial. Maintenant, allons vers les techniques. Un peu plus de relâchement de fascia en tant que tel. Alors, Dominique, les techniques purement relâchement de fascia en thérapie manuelle, très à la mode en physiothérapie depuis une dizaine d'années, je te dirais. Alors, j'ai choisi l'iliacus comme pour démontrer à quel point on peut travailler ces fascias-là. Alors, l'iliacus là, et toutes les expansions de fascia au niveau abdominal qui ont un impact sur ces attaches-là qui sont très… cet iliacus-là qui est très profond dans la hanche. Alors, moi, je viens m'installer ici comme ça, le long de la crête iliaque en interne. Respect de la douleur. C'est une zone qui est assez fragile. Et là, je vais aller travailler mon fascia en étoile dans des techniques de relâchement. Alors, par exemple, pour l'iliacus, je m'installe de l'autre côté sur l'autre crête iliaque. Stabilise toujours ta première main. Les jeunes, souvent, ont tendance, aussitôt que l'autre main commence à travailler, la première main relâche sa tension. J'ai vraiment ta prise aussi que c'est pas le bout des doigts des patients plus chatouilleux. Non, puis c'est inconfortable. Aller se planter les ongles, oui, oui. Exact. Fait que je viens vraiment juste m'installer comme ça dans ma fosse iliaque. Ça va? C'est quand même sensible un peu, hein, quand même. Oh, c'est correct. Ça va, parfait. Alors là, je m'installe comme ça
et je m'en viens travailler ce fascia-là qui est plus transverse. Je ne sais pas si tu remarques, Dominique, à quel point je relâche entre chaque technique. Ce n'est pas des mobs de physiothérapeute en thérapie manuelle, là. C'est vraiment Plus du... lent, plus doux. C'est ça. Et là, je me concentre à sentir ce qui me tire dans les doigts, dans ce plan-là. Alors, je peux faire, là, puis aussi, c'est beaucoup une question de qu'est-ce que je sens qui relâche. Fait que je vais faire quelques secondes comme ça. Ensuite, je vais m'en aller dans un fascia plus vers les expansions thoraciques. Toujours en mobilisation très lente. Tout ce qui est plus costal, pardon. Ensuite, du même côté en ipsi, ce relâchement-là. OK? Où je viens doucement relâcher le fascia. Et là, il y a même des attaches un peu plus pubiennes, un peu plus pubiennes, pardon, où je peux m'installer ici doucement. Un peu plus compliqué si c'est un patient masculin. Alors, je pense qu'on ne peut pas se gêner de demander aux Tout à gens fait. d'être confortables. Et puis, je m'installe comme ça et doucement, encore des sensibles, ça. Hein? On sent bien là, les tensions tout autour de l'iliacus. Fait que des techniques qui sont très, très, très manuelles dans le respect de la douleur. On peut faire la même chose, par exemple, Dominique, avec un peu plus notre droit antérieur, des techniques en étoile. Je m'installe ici pour stabiliser et je m'en vais en étoile très loin. Je fais ces pressions-là, Dominique, puis ça me tire dans les doigts ici. Exact, Ça tu montre à quel stabilises. point, là, c'est pas que la peau, là. Il y a vraiment ces fascias cutanés-là et ces fascias latas-là qui sont plus profonds dans la cuisse. Fait que donc, des techniques, des outils super intéressants de relâchement en thérapie manuelle. Voilà, on continue. On continue.